fermé à clé pour une fois. C'est très bien. Ouais. Qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Alors c'est ça. On l'a entendu mille fois cette histoire. Vaccin, remède miracle, ça n'a jamais marché, jamais. Pas te faire foutre, mec, j'ai pas demandé à être là. Alors on est deux. Sauf ceux que tu peux sauver. Monte dans la voiture, tout de suite. On continue pour la famille. Rien d'autre. Ça va? Est-ce que ça va? T'es pas blessé? Je crois pas, non. Je suis pas de ta famille. Non. T'es une cargaison. Comment vous avez fait? C'est grâce à elle. Elle s'est battue comme un diable. Elle serait morte dès le premier jour. On te doit tous beaucoup. Emmène-moi auprès d'elle. Je peux pas. Il la prépare pour l'opération. T'inquiète. Quelle opération? On n'est pas obligé d'y aller. Je veux que tu le saches. Il y a un hôpital par là. C'est peut-être celui-là. Non, t'oublie ça. Pense que le cordyceps grandit en elle depuis sa naissance. De quelle opération tu parles? Il envoie un messager chimique aux autres cordyceps qui leur fait croire qu'elle aussi est un cordyceps. C'est pour ça qu'elle est immunisée. Le médecin va le lui enlever. Cultiver ses cellules en laboratoire pour reproduire ce messager chimique. Et on le distribuera à tout le monde. C'est pas le temps qui m'a guéri. Il pense que c'est peut-être la solution. Tout le monde sauf toi, sale con! Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec quelqu'un d'autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Le cordyceps se développe dans le cerveau. Je veux la voir maintenant! Tu comprends pas? Tout ça. Je ne vous laisserai pas l'emmener.